Tout d'abord, on voulait vous remercier d'être venus aussi nombreux. On a été 620, il y a eu 620 inscriptions cette année. On est super ravis dans l'histoire de la FUP. On n'a jamais eu autant de monde à un événement. Petite note, enfin, surtout avec les événements du vendredi 13, du vendredi dernier. Ça a été un peu compliqué et vous avez été énormément à nous envoyer des messages de soutien pour continuer, pour nous dire de continuer. Du coup, on voulait vraiment vous remercier pour ça. Ça nous a fait chaud au cœur. Je voulais aussi remercier toute la core team de PHP 7. On a été ravis de vous recevoir. Julien, Anatole, Zev, Derek, Pierre, Rémi, Nikita, Rasmus et Pascal. On sait que c'est rare de réussir à vous réunir tous ensemble et vous êtes la bienvenue. Les prochaines éditions, vous revenez quand vous voulez. On vous invitera avec grand plaisir. Alors maintenant, vous allez avoir un petit peu de boulot. Il faut aller sur le join-in de la FUP et aller commenter les conférences, mettre des notes. C'est hyper important. C'est super intéressant pour les conférenciers d'avoir votre feedback et de savoir ce que vous avez pensé. Et pour nous, en tant qu'organisateurs, c'est aussi hyper intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'ajuster les programmes au fil des éditions et au fil des ans. Je voulais remercier aussi encore une fois les sponsors qui ont été nombreux cette année et qui nous ont supportés depuis longtemps. Dès qu'on a commencé à organiser l'événement, ils ont répondu présent. Et c'est pareil, ça a été très agréable pour nous. Et je vais d'ailleurs inviter sur scène PHPNet et Calliope, qui ont fait des jeux concours. Je pense que vous êtes nombreux à avoir répondu. Et il y a pas mal de tirages au sort, avec des petits cadeaux. Bonjour à tous, je me présente, je suis ici Amy Dame, chargée de mission et marketing à Calliope. Et nous, c'était pour vous faire gagner une lampe connectée. Donc, nous avons tiré au sort tout à l'heure des personnes. L'idée, c'est que la personne soit présente en salle. Donc, je vais annoncer si la première personne est là, c'est elle qui gagne. Sinon, ça sera la deuxième. Si elle n'est pas là, la troisième. Après, j'enverrai par mail. Donc. J'aimerais bien que la personne ait son cadeau aujourd'hui, si possible. Donc, la première personne qui a été tirée au sort, c'est Michael Marshall. Super! Génial! Super! Merci beaucoup. Je vais juste t'inviter à me rejoindre sur scène pour que je te remette ton lot. En plus, je me souviens très bien de toi. On a eu une très bonne discussion tout à l'heure autour de Cuzzle et de Calliope. Je me souviens de toi, j'avais pas retenu le nom. Super, bah merci beaucoup de ta Merci participation. beaucoup. J'espère que tu en profiteras. Ah oui, je pense. Ok, merci. Merci beaucoup aussi. Au revoir, merci à tous de votre participation. Et maintenant, il y a PHPNet avec pas mal de lots, Oui. je crois. Bonsoir, Elodie de PHPNet. Donc, nous avons procédé au tirage au sort tout à l'heure. Il y a 5 gagnants qui ont gagné un serveur virtuel privé de 250 gigas. 10 gagnants aussi qui ont aussi 10 participants qui ont gagné un compte de stockage en ligne de 1 Tera. Et le gagnant qui a remporté le Raspberry plus le serveur virtuel privé de 750 gigas est José Obea ou Albea. Je ne sais pas s'il est dans la salle ou pas, sinon nous l'enverrons par voie postale. Voilà. Et pour les autres. Pour les autres gagnants, nous les contacterons par mail ou par téléphone. Voilà. Merci. Et du coup, on va parler un peu sérieux avec notre association, la FUP. Cyril, je te. Donc la FUP, c'est l'association qui a organisé cet événement, qui organise aussi le PHP Tour. Aujourd'hui. Il y a plus de 500 membres, donc si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, parce qu'en plus vous avez des bonnes réductions sur le forum. Mais ce n'est pas tout, on a aussi des antennes locales un petit peu partout en France. S'il y en a une à côté de chez vous, en général ils organisent des apéros PHP, donc il ne faut pas hésiter à y aller. S'il n'y en a pas à côté de chez vous, bah, c'est peut-être l'occasion d'en monter une. Dans ce cas-là, vous pouvez contacter le bureau de la FUP et on vous aidera à faire tout ça. La FUP, c'est aussi quelques mailing lists. Il y en a une particulièrement qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, qui est celle animée par Pascal, que vous avez vue tout à l'heure, à propos justement présentation des évolutions des RFC dont on a parlé pendant la conférence.
Présentation des RFC, et puis là vous pouvez donner votre avis, il peut y avoir des débats, et puis ensuite Pascal poste au nom de la FUP aussi un petit peu bah, voilà, tous les retours qu'il a eu, même s'il n'est pas d'accord. Donc c'est cool. Voilà, et puis bah, la FUP, c'est juste pour vous parler un petit peu de l'organisation, si ça vous intéresse de venir à la FUP. Nous, on cherche toujours des gens, il y a différents pôles. Tout ce qui est communication autour des événements ou avec les communautés. Il y a tout ce qui est plus relié aux événements en particulier, donc toute la partie avec les conférenciers, trouver des sponsors, et puis aussi gérer toute la logistique d'un forum. Et puis il y a aussi toute la partie outils où là on a besoin de beaucoup de monde parce qu'on est un peu à la rue. Donc si vous savez coder en PHP, mais a priori c'est bon, bah, n'hésitez pas à venir, il y a des issues GitHub et tout ça, etc. Vous pouvez participer, tout ça, etc. Et puis pareil, si vous avez aussi des idées de projet, voilà, où la FUP peut vous soutenir, n'hésitez pas à nous contacter. Par exemple cette année on a soutenu l'Happy Birthday de Julien. On était très contents de le soutenir. Voilà. Et ben... Du coup, on vous donne le prochain rendez-vous pour le PHP Tour à Clermont-Ferrand qu'on organise avec Clermont Tech et ce sera les 23-24 mai prochains. On espère vous y voir nombreux. Avant de terminer, bah, je vais, comme la tradition le veut, j'ai demandé à tous les bénévoles et tout le staff de venir sur scène pour qu'on les applaudisse chaleureusement. Et Amélie. Et bah merci à tout le monde pour le coup de main. Merci Amélie. Et franchement, il y avait... On est vraiment ravis d'avoir été aussi nombreux. On s'était fixé un gros objectif, il y a eu beaucoup de boulot. Et du coup, bah, voilà, merci tout le monde. Et rendez-vous à Clermont. Merci. Merci à vous. Bon retour à tous.